Le président du Conseil européen Charles Michel et le président russe Vladimir Poutine ont discuté de la situation à Biélorussie et en Ukraine lors d'un appel téléphonique. Monsieur Michel a déclaré mercredi au président Poutine que l'UE suivait le renforcement de l'armée russe à sa frontière avec l'Ukraine. Il a déclaré que la désenclavage et la stabilité sont essentielles. Les tensions se sont accrues depuis que l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d'envoyer des troupes et des armes de l'autre côté de la frontière. Moscou a nié ces accusations sur la question de la frontière biélorusse. Le Kremlin a déclaré dans un communiqué que les deux parties ont souligné l'importance de résoudre la crise migratoire conformément aux normes du droit international humanitaire. L'Ukraine a lancé mercredi des opérations pour renforcer sa frontière, craignant d'être entraînée dans la crise des migrants.